Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog dissent3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Assassin's Creed Syndicate. C'est marqué sur la petite ardoise, un jeu qui m'a été offert par Peline sur PC. Donc encore une fois, un immense merci à toi. Ça, c'est une faille temporelle, une faille temporelle. Voilà, parce qu'en regardant la carte et en voulant essayer de découvrir où se cacher la prochaine mission, qui est ici, j'ai découvert ce petit truc ici où il y a marqué, quand on le survole, ça veut plus l'afficher. Ça veut plus l'afficher. Il y a marqué Première Guerre mondiale, un truc dans le genre. Donc je veux aller voir ce que c'est. Je veux découvrir cet élément. Voilà, et là j'aimerais bien pouvoir faire comme dans Spider-Man, c'est-à-dire hop, sauter, mais déjà dans Assassin's Creed, il n'y a pas le pouvoir du saut. Le personnage est cloué au sol en fait. Et aimanté, donc il peut pas sauter n'importe où, n'importe comment, on peut pas sauter en continu. On peut seulement se déplacer vers un mur et dire tu grimpes, mais c'est tout. Donc déjà c'est perturbant parce que j'ai envie de sauter et me balancer de toile en toile. Forcément. Mais non, ce n'est pas possible. Parce que le jeu n'est pas d'accord. Est-ce que j'étais même pas sur le mode... Voilà. On va passer en mode hyper contrasté. Un effet Bonaldi. Je me rappelle même plus ce que c'est. Il y a la loi de Murphy, l'effet Bonaldi, l'effet machin. Je sais plus. Quelles sont toutes ces choses. Mon cher K2M, pouvez-vous m'éclairer? Ah, ma chaussette est en train d'éponger l'eau qu'il y a sous le tapis. Du coup, j'ai le pied mouillé encore. C'est pas juste. Before I begin, so I've got you under my skin. I've got you under my skin. Par contre, je connais les paroles de Beyond the Sea. Normalement. Tudududum. Du coup, il me l'aura mis en tête. C'est terrible parce que dès qu'on attaque un Assassin's Creed, un jeu où on se déplace dans un environnement comme celui-ci, ouvert, j'ai des musiques en tête. Alors que pourtant, il y a de très très jolies musiques dans Assassin's Creed Syndicate. Accroche, chiffre. Et comment qu'elle m'appelle celle-là? Ouais, c'est quoi, chiffre? Ma foi, tu es une façon de parler qui ne me laisse pas, comment dire, indifférent. Je pense que je vais me méfier de toi. Là, vous marquerez qu'il pleut sur la vitre. Accroche, chiffre. Allez, je tente. Faut savoir vivre dangereusement. Pour rappel, l'effet Bonaldi est la situation où l'on veut montrer quelque chose, mais rien ne se passe comme prévu. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du filmeur. Il faut que tu sortes de... Te voilà. Tu fouilles le passé à la recherche d'une de mes reliques. C'est toi, Junon? Je viens à toi pour parler de l'avenir. Suis Lydia Fry. Elle te mènera jusqu'à moi. Salut LP Hub, c'est Assassin's Creed Syndicate pour répondre à ta question. Comment vas-tu? La vision d'aigle présente les cycles des mémoires en surveillance. Ton message, je mange schtroumpf. Du coup, j'ai les pieds mouillés. Humides, si vous préférez, parce que c'est les chaussettes qui sont mouillées. On est où là? Qui es-tu toi? Serais-tu la descendante d'Evy? Ou alors es-tu Evy Fry qui est devenu invincible et immortel à vie? Enfin à vie, à mort ou je sais pas comment on dit. Ah, je crois que cette personne est morte. Si? On a l'impression, vu la voix. J'avoue que je suis trop à la ramasse pour me souvenir de la voix exacte. Oula, Londres, c'est vrai que Londres a été énormément bombardée, il me semble, pour là. Pendant la guerre. Quoi? C'est rien. Le G5
générateur qui fait des siennes. Je sens que quelque chose ne tourne pas rond ici. C'est incroyable. S'il croit que je vais accepter éternellement ce genre de... Je l'ai trouvé. Mais non, mais c'est faux, tu m'as pas trouvé. Je t'ai tué. C'est bon, ils sont tous morts. Tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit avoir? Aucune idée, Bobby. Je connais pas. Quel manque de politesse. Même en ces heures difficiles, nous ne devrions pas oublier les règles de la courtoisie. Baissez vos armes. T'es qui, toi? Winston Churchill. Il semble que nous soyons sur la même piste, Miss Fry. J'étais là avant vous. Certes, et je vous en félicite. Mais je crains que nous n'ayons pas totalement éliminé l'ennemi qui sévit dans les parages. Il y a une autre radio. Accompagnez-moi, si vous le voulez bien. Nous devons trouver ce deuxième émetteur, où de nouvelles vagues de zeppelins risquent d'envahir nos cieux. Vous manquez de soldats, à ce que je vois. Si vous pouviez faire usage de vos inépuisables talents au Tower Bridge, notre nation courageuse mais accablée, vous en saurez gré. Je me contenterai du droit de vote. De répondre, mais... Oh, comment que c'est classe! Oh, comment que c'est beau, regardez-moi ça! Oh là là! Par contre, votre radio bug, monsieur. C'est super joli, non? Vous trouvez pas? Moi j'aime bien, c'est joli. Je me baladais. Non mais c'est bien parce qu'en fait ils ont trouvé une solution avec Unity et celui-ci pour nous montrer des monuments de ces grandes villes malgré le fait qu'on ne soit pas à la bonne époque. Des coffres par là, ce serait dommage de passer à côté, non? Je tente. Qu'est-ce que je peux faire du coup? Attends. C'est pas prévu comme ça, mais bon, pas grave. Des noms, des dates. Ah, il parle d'une radio. Mais où peut-elle être? C'est pas tout à fait ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça, c'est embêtant dans ce thème de grappin qui vise n'importe où. Bonjour, je suis le grappin et je t'annonce que je ne vais pas du tout là où tu voulais que j'aille. Mais y a, là aussi, il y a des machins à récupérer. Mais non, mais les gars, quoi, me faites pas ce coup-là. On est où, là, sur le nom? Là. Oh. Eh ben, je sais pas. Je sais même pas où est-ce qu'on est. On a à côté la Tamise, mais... Il y a des machins à récupérer. Est-ce qu'on va récupérer ce machin-là? On va quand même aller récupérer, là. Ce sera fait, comme ça. On met pas non plus à ça près. S'il te plaît, fais pas de bêtises. Voilà. Ah, il y en a 20. Bon, bah en fait, j'ai la flemme. On a nulle part à s'accrocher.
Ah si. Voilà qui est fait. Suivant. On va aller... Pff, il y a des machins partout. Oh puis zut quoi. Ils sont embêtants avec leurs machins qui apparaissent qu'à demi sur la carte là. Parce que si encore j'avais la certitude qu'ils apparaissent tous, ouais je le ferai. Mais là c'est lourd. C'est lourd parce que je sais que sur certaines parties de la carte ils n'apparaissent pas. Donc du coup ça n'a aucun intérêt pour moi de commencer à les chercher en sachant qu'il va m'en manquer ou que je serai obligé de faire autrement, etc. Donc très joli pont. En fait j'espérais juste aller tout droit mais elle était pas d'accord, encore une fois. Et qui est devenu Jacob là-dedans? Trop tard, assassin. Londres va brûler. Non, pas ça que je voulais faire. Et c'est moi qui marque les points normalement. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Bon, vous m'excuserez, faut que j'aille fouiller le monsieur là. Non, pas celui-ci, pas celui-ci, celui-là. Bon, mais vous allez me laisser tranquille, oui. Fait que passer. Ah, il y avait un coffre par là-bas, j'ai la flemme. Je descends ici, merci. Et si tu acceptais de descendre? Elle fait rien de ce qu'on lui demande, la miss. Hein. Enfin, rien, faut que j'arrête d'abuser. Elle fait des choses de temps en temps. Bon, suivant. Le pauvre, il n'a pas lu son chapeau, et donc. Suivant. Non, mais. Ouf. Je devrais aller leur dire bonjour. C'est très joli, là. Très très sympa. Tour nord. C'est les Katsuki. Iti sont 3, normalement oui, je crois. Et bonjour Christ. Bonjour Iti Odyssée. Non, il n'y a pas Odyssée là. C'est mal de parler d'Odyssée. Mais, tu as cru voir un fantôme, c'est ça? Tudum, tudum. Tudum, 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 tudum. Oui. Hors du faisceau des projecteurs. C'est vachement rassurant, monsieur, merci. Bonjour le coffre. Ravi de te rencontrer. Et suivons là-haut. Même si on ne ramasse pas tout, celui-ci il est sous notre nez. On va profiter d'une très jolie vue, je pense, par la même occasion. Voilà, regardez-moi ça comme c'est joli. C'est moins joli qu'Unity, mais ça reste très joli. Avec une petite musique en arrière-plan. Ça fait 40 ans que je t'ai plus vu. Punaise, j'ai pris un coup de vue d'un coup, là. 40 ans. Tu voyages dans le temps? Mais c'est possible, oui. Pourtant, tu sais, je ne me suis jamais arrêté. Mais ça fait plaisir, du coup, après tant d'années, que tu te souviennes encore de moi.
Ça, c'est mon copain, bonjour. Pardon. Alors, ici. Ça fait peur. Zut, j'ai pas envie. Je me dis c'est pour tomber, devoir tout recommencer, c'est pas la peine quoi. Alors, il faut que j'arrive à atteindre cette salle. Ah, peut-être que par là, ça peut le faire. Yes. Non. Madame, je fais rien comme c'était prévu. Oh, puis zut. Puisqu'elle veut pas faire ce qu'on lui demande, on improvise. Parce que c'est ridicule, quoi. Genre, à la base, ce que je voulais faire, c'était juste sauter sur le truc en face. Hein. Elle est partie à gauche. Quand je pense que je dois tuer toutes ces personnes, c'est triste. Avec Speedbin, je frappe ces jeux de ça. Bah oui. Bonsoir, bonsoir, madame Odyssée. Comment vas-tu? Je répète, annuler toutes les attaques. Les festivités attendront. L'un de ces maudits zeppelins a franchi nos défenses. Voilà. Ne vous en faites pas. J'avais prévu cette éventualité. Mais c'est un zeppelin. Vous allez pas me dire qu'il se fait qu'une ou deux balles bien placées, c'est réglé, non? Ah mais il a dit un zeppelin, il en a trois. Hein. Tu passes un coup de vent. Ça veut dire que tu vas nous laisser un vent, madame? Hey! Bah, merci pour l'abonnement. Merci, bienvenue à toi, Katsuki, du coup. Faut viser les avions ou... Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais viser. Plouf. Suivant. Les bruits qu'on entend derrière, c'est terrible. S'il n'y a pas joué la soirée, mon dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est très sympa de ta part, merci beaucoup Katsuki, encore une fois. Comme je disais, bienvenue parmi nous, bienvenue dans ma bulle. Installe-toi confortablement, en espérant que tu te sentiras bien ici. Bonne nuit, Isa. Tu as laissé le live en fond? Bah, essaye de bien t'endormir, fais de beaux rêves. Prends soin de toi. Voilà. Ah non, mais attendez, attendez, je suis pas prêt. Pousse. Rien de spécial, toujours la même chose. Vers la loose et au-delà. Ça continue encore et encore. Voilà, je continue mes vidéos. Je me suis jamais arrêté depuis FTJ. FTJ, on est en train de relancer petit à petit là. Alors, ce sera pas du tout la même chose qu'il y avait avant, mais on relance. Tant qu'à faire. Et donc, à côté de ça, bah, je fais du dessin, des vidéos, des machins, des milieux. Ah, mais ça recommence. Ok. Oh, puis zut. On y va. Il se fait. Mais non, ça n'a absolument rien à voir, ma chère dame. Mais le bateau, il est parti sans moi, là. Feignasse, reviens. Ah non, il se gare à peine plus loin, ok. Thank you.
je peux m'abriter, d'accord. Là, ça m'a affiché la touche. Je savais pas qu'on pouvait s'abriter. Kaboum, kaboum, kaboum. Dans ton bus, il est explosé. Merci. Suivant. Et là, les amis, tout ce qu'on aime. Bonjour. Quelqu'un qui veut jouer? Allez, bonne nuit, ça. Ah, je crois qu'on est en train de se diriger vers eux, là. Virage serré, s'il vous plaît, sur le côté, merci. Je suis pas là. Je suis là. Eh ben, c'est mieux quand on peut se protéger, non? C'est bon, suivant. Où ça? Bien beaucoup là-bas. Hop, en moins. Suivant. C'est bon. Suivant. Ils ont pas à être contre moi, ceux-là. Je crois que je tire sur mes collègues. On sait que c'est grave. Ah mais voilà, tu vois, je peux m'abriter. Ta-da-da-da, ta-da. Comme quoi, tout est possible. Il y a Kald qui fait encore des vidéos, même s'il en fait beaucoup moins. L'armement à bord de votre bateau y est pour beaucoup, croyez-moi. L'un de mes projets expérimentaux, quand j'étais lord de l'amirauté, je n'ai pas toujours été un homme de l'ombre. Et j'imagine que cette belle victoire va vous ramener à la lumière. Nous la K2M aussi fait aussi des vidéos. Un coup à l'ennemi, mais Londres fournit toujours d'agents allemands. Il en existe un nouveau groupe, différent de tout ce que j'ai connu. Ils sont d'une ferveur fanatique, presque religieuse. Et vous pensez que je suis à même de les débusquer? En effet. Sans véritable preuve, je ne peux en parler à Mr. Asquith, mais je pense qu'il constitue une menace. Si vous vous en chargez, je vous donne ma parole qu'une fois de retour sur les bancs du Parlement, je ferai tout mon possible pour exaucer votre souhait. C'est quoi mon souhait? Un vote fait bien souvent plus de dégâts qu'une balle ou qu'une lame. Et nous avons réussi la mission. Oh, attends, j'ai juste coupé le micro parce que je suis en train d'essayer de me moucher. Et se moucher dans le micro, c'est la joie pour vos oreilles. Voilà. J'ai pas appuyé sur la bonne touche, c'est pas grave. Voilà qui est réglé. C'est bon. Bon ben on a accompli la mission et on a accompli utiliser le générateur pour attirer un espion. Parfait. Bonjour. J'ai jadis vécu sur Terre, tout comme toi. Je suis né dans la caste des Illuminates, dans la c'est très joli. De Feia, en l'an 2195 de l'ère Isu. Aujourd'hui, j'arpente les vastes couloirs de vos machines, errant dans le gris. Mais je reprends des forces. Le monde sera bientôt prêt à m'accueillir. C'est pourquoi je t'ai fait venir dans cette simulation de guerre. Pour te livrer une histoire. Notre histoire. Thank you.
Ok, donc quelle histoire, parce que j'aimerais bien en savoir plus, là. Même si, à mon sens, il reste en dessous. Mais j'aime bien, là, moi, le nouveau... Origins Odyssey. J'y ai très très peu joué, comme je l'expliquais, je... J'attends un peu d'avoir... Il y a des quartiers à libérer. J'attends un peu d'avoir, comment dire, terminé les autres, avant. On va monter par là. C'est une mission qui est en face? En fait, c'est une sorte de mini DLC, quoi. Par contre, tu m'excuseras, mais je souhaite juste grimper un petit peu plus. Voilà, et on synchronise. Londinium. Ça reste quand même bien classe. Ça, c'est fait. Ensuite, là, il y a une mission. Winston Churchill. Par contre, j'ai l'impression que ça n'a rien fait apparaître sur la carte. Hein. Mais rien du tout. Alors, j'ai raté un morceau, je sais pas, mais... Ah non, c'est la suite, hein. C'est la suite totale, Katsuki Origins et Odyssey. Ben, Desmond est mort. Donc, ils vont pas reprendre Desmond, mais il y a un nouveau personnage dans le présent, il y a des personnages qu'on revoit qui étaient dans les épisodes précédents. Donc, si, si, il y a bien une suite, c'est bien une suite. Ah mais, voilà, et là je suis coincé parce que madame ne veut plus rien faire, c'est bon. Ouais ouais, ça doit être une sorte de DLC, je sais pas si c'est un DLC ou si ça fait vraiment partie du jeu d'origine. Ça m'étonnerait pas que ça fasse partie du jeu d'origine dans le sens où on a déjà vu ça, chez Unity. Même si là ce n'est pas justifié de la même manière, ils l'ont fait. Salut super belle. What's up man? Tout va bien et toi? C'est un peu bobo quand même. Hein. Je comprends pas, oui, mais je veux dire, l'histoire des Animus ne suit plus. Vu que c'est un retour dans le passé, mais dans le présent, ça suit. J'ai du mal à comprendre le sens de ta phrase. Je veux dire, c'est un retour dans le passé par rapport à Assassin's Creed, enfin par rapport à la période historique, qu'on connaît comme ça les origines, mais ça reste une suite logique dans le présent. Donc finalement, la suite logique dans le présent, on a toujours avancé, on n'est jamais revenu en arrière, il me semble. Bienvenue à toi, oui, toi qui viens de t'abonner. Merci Kaptrovici pour ton abonnement, bienvenue parmi nous. Bienvenue dans ma bulle, installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien parmi nous. Je suis où moi? Merci en tout cas, c'est plaisir. Et on va redescendre. Bon, moi, je cherchais à en faire un petit peu, quoi, non? Lâche tout, chérie. C'est bon. Oui, mais en même temps, il n'y a pas besoin que ça suive dans... dans l'Animus.
Y a pas besoin. Je vois pas en quoi ça serait nécessaire, en fait, que... L'important, c'est qu'on ait des informations en plus sur l'assassin, ou alors qu'on sur une secte, sur un machin, sur... Enfin, sur une secte, non. Sur un artefact, en l'occurrence. Mais après, la période historique, ça a pas réellement d'importance par rapport au reste, quoi. C'est juste, tu vieillis une période. Donc au final, je trouve pas ça gênant que ça suive pas. Sinon, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on aurait retrouvé l'époque contemporaine. Et ça n'aurait plus vraiment d'intérêt dans ce cas-là. De jouer à notre époque un assassin. Sachant qu'on l'a déjà fait du coup, puisque... Ouais, c'était cool, mais du coup, je vois pas en quoi ça pourrait être gênant. Parce que finalement, même si ça se suit, finalement, tu découvres que Altaïr, etc., sont des gens qui ont suivi la guilde d'assassins alors qu'elles sortent d'Egypte. J'ai l'impression d'avoir tellement de mal à articuler, à expliquer. Enfin, personnellement, je ne trouve pas ça gênant du tout. Et justement, c'est quelque chose de magique parce que tu sais tout ce qui se passe après, donc tu es en train de vivre les débuts, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses à plus à faire par ici? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien de particulier en fait. Juste on se balade comme ça. Peut-être essayer de faire la mission quand même, mais. Ah si, il faut qu'on les récupère les 0 sur 10 là. J'ai quand même la flemme quoi. Mais ça fait un petit moment qu'on est sur celui-ci, il est très beau, très sympa, tout ça, mais aller chercher les objets en veux-tu, en voilà, il y en a trop, il y a beaucoup trop de collectibles dans ces jeux je trouve. Alors après c'est cool pour ceux qui veulent faire rallonger la durée de vie, mais là j'avoue que ça m'ennuie plus qu'autre chose. Et si tu te bougeais les fesses, Miss? Voilà, pas envie. Ah non, mais y a pas de soucis pour les fautes. C'est l'heure. Il se fait tard. Enfin, il se fait tard. Ça fait pas si longtemps que je suis réveillé, mais donc j'ai pas cette excuse là. Vous, oui peut-être, moi non, ça marche pas. Oh, il se fait tard. Oui, ça fait 3 heures que t'es levé, tout va bien. Enfin 3 heures. On est déjà à 5 heures de live. Ça engendre presque une grosse frustration de me dire que je suis en train de passer à côté de certaines choses dans les trucs à récupérer ou autre là. Hop. Ça va pas la tête? Remonte, s'il te plaît. Pas le moment de nous faire des bêtises, très cher. Alors, monsieur Churchill. Que dites-vous de mon nouveau bureau, Miss Fry? Comme vous le constatez, mes agents ont découvert des pistes prometteuses. On nous rapporte des actes d'espionnage. Ça fait 5 heures qu'on est en live, là. Hôpital de campagne, sur les quais Sainte-Catherine et à la Tour de Londres. Je n'ai pas à vous rappeler qu'il est crucial de mettre fin à ces agissements. Bon bah écoute, on va y aller. Hein. On verra bien ce que ça nous réserve. Chasse aux espions, la pie. Niveau suggéré, 6. 6, je suis niveau 7 je crois sur mon personnage. Bon, on va essayer ça. Est-ce que je peux descendre par là ou pas? Ah bien sûr que non. Sympa les gars quoi. Ils ont un escalier, mais j'ai même pas le droit d'utiliser. On va faire le plein. Vous avez très bon. En fait, à la base, c'est pas une question de goût, monsieur. Cherche le minimum. T'as pas tort. Mais là on m'a dit que justement il y avait tout quelque chose quand on s'occupait des collectifs du côté de
la suite de l'histoire du nom. Si j'ai bien compris. Bonjour monsieur. On va essayer. Je crois que je commence à mieux cerner ses activités d'espionnage. Ceci devrait tout particulièrement vous intéresser. L'un des espions actuellement détenus à la tour a fait des déclarations assez fantasques à propos d'une confrérie d'assassins. Il serait judicieux de le faire taire avant qu'il n'attire l'attention sur vous et vos associés. Voyez cela comme un petit cadeau de ma part. Bah c'est parti. Ça, je comprends pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une affiche, un... Ah, c'est des courriers. Quelqu'un a réussi à entrer. Ah ouais, je rentre sans poser de questions. Non. C'est le Natsuki. La bracherie, comment vas-tu? Je les vois tomber d'un gratte-ciel sur une botte de paille et qu'ils ont rien. Je commence à me demander pourquoi ils mettent des airbags dans les voitures. Hop, point dans la voiture, on est protégé. Ça serait pratique, hein. Mais tu sais que... Je me suis longtemps dit qu'on pouvait pas grimper comme un assassin dans... Comme le font les assassins vraiment dans la vie, tu sais, où tu sautes d'un truc à un autre. Jusqu'à ce que j'en vois un grimper comme ça pour de vrai. Et je me suis dit, ah... En fait, si c'est possible, parfaitement possible. Parce que le parcours, je veux bien y croire, mais... Grimper aussi facilement, je trouvais ça très violent. Tiens, je t'examine. Regarde, là, tu es l'espion, il a dû s'échapper, le sang est frais, il doit pas être loin. Il y a un coffre magique juste en dessous. Je peux aller voir le coffre magique, il est où? Là. On a de la visite. C'est faux. Il n'y a pas de visite, c'est dans ta tête tout ça. Le jeu, c'est Assassin's Creed Syndicate. Sur PC en l'occurrence. C'est impressionnant, hein? La façon dont il grimpe. Bah pourquoi je place un objet dessus puisque c'est affiché sur la carte. Je trouve. Une fois qu'ils seront tous morts, ils n'auront pas de raison de. Ah, c'était qu'on soit discret, mais je crois que c'est raté pour la discrétion. Galère. C'est n'importe quoi. Ah bah la fin justifie les moyens, là c'est bon. Comme je vous dis, moi je commence un peu à fatiguer sur ce jeu là et c'est un moment où on tourne en rond en fait, j'ai l'impression qu'il y a 5-6 quartiers de trop. Et du coup je trouve ça désagréable. J'ai vu ma dentition de loin. C'est bon. Ah, encore elle. Bla bla bla, Mr. Freeman. Jadis, j'aurais pu nier à poser les yeux sur vous.
De la même manière que vous réagissez en présence des arachnides. Les humains ont été créés par nous qui étions là avant, les Isu. Nous vous avons façonné à notre image, mais nous vous avons privé de nos dons. Vous avez été créés pour le travail et, le cas échéant, pour la guerre. Nous avons construit des observatoires pour vous surveiller, des appareils pour vous contrôler. Nous vous avons offert la résilience et le fléau de l'ambition. Et vous vous êtes révoltés contre nous. Nous sommes les seuls et uniques responsables de votre nature. Ce n'est pas sans raison que tant de ces simulations reposent sur la violence. Bonne nuit, Natsuki. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Merci beaucoup de passer, en tout cas, ça fait plaisir. J'espère que t'auras passé un bon moment. Et puis peut-être à une prochaine fois. Et pour te répondre, Katsuki, en fait, c'est parce qu'il s'agit de personnes qui ne sont pas sur Twitch, qui sont sur d'autres plateformes comme YouTube ou Dailymotion. Bon, Dailymotion, ça marche pas. Mais YouTube, Daily, Smashcast, Mixer, voilà, t'as le choix. Et du coup, d'autres personnes, notamment Natsuki, vient d'écrire sur YouTube. C'est pour ça que ça marque mon pseudo, puis ensuite entre crochets le pseudo de la personne qui a écrit le message à l'origine. D'accord, bon bah je libère le quartier encore une fois. Et libérer le quartier nous permet d'avoir des informations. Ok, bon ça par contre ça m'intéresse. Allons voir l'autre côté maintenant. Tout ça autour de ce magnifique bâtiment. Ouais ouais, parce qu'en fait Twitch a quelquefois du mal chez certaines personnes. C'est-à-dire qu'il fonctionne mal. Là au moins vous allez là où ça fonctionne pour vous. Moi ça change pas grand chose. Mais voilà, surtout histoire de que vous ayez chacun la liberté d'aller là où vous voulez aller. Si vous le dites, madame. On fait le ménage, hein. Balader sur l'avenue, le cœur ouvert vers l'inconnu. Et c'est mon empêché, c'est fait. Ah non, il y en a un deuxième là que j'ai pas fouillé. Monsieur, accepteriez-vous que je vous fouille? Pas de réponse. Bonne réponse. Voilà, parfait. Merci monsieur, au revoir. La fille faille est là. Ah, j'espérais l'avoir quand même. En train de me casser la tête, mais c'est loupé. Bonjour, je ne fais que récupérer ceci, merci. Et maintenant, faut que je fasse quoi? Fuir le secteur. Bon, bah, ok, on s'en va, hein. On va pas se faire prier. Salut Celsius Gaming, comment vas-tu? Tout le matin militaire des espions, on songe trouf. Allez, vas-y. Qu'est-ce que t'as à nous dire cette fois-ci? Passé des années cloîtrées dans le grand temple à chercher notre salut.
Les autres n'ont envisagé que des solutions physiques. Mais j'étais persuadée que seule la transformation était à même de nous sauver. Ça marche dans tous les sens. Inspiré par les recherches de Consus, notre plus grand savant, j'ai voulu transplanter l'esprit d'Aïta dans un corps synthétique plus résistant. J'ai échoué. Et mon bien-aimé est mort dans mes bras. Les autres m'ont exclu. Bon, c'est des choses qu'on savait déjà plus ou moins, ça. Donc là, si tu dis bonsoir, normalement Celsius va le voir, comme toi tu as vu son message. Sauf s'il y a un bug, mais normalement ça fonctionne comme ça. C'est bon, les carrés de chocolat. On en a 45 minutes de rediffusion. Bon, bah ça c'est fait. On va se déplacer rapidement là-bas. Oui, je le veux. Et quand on va arriver là, on va faire une pause de rediffusion. Alors je rappelle, pour ceux qui sont nouveaux ici, notamment toi Katsuki, que le live n'est pas arrêté, mais qu'on fait la, les montages, entre guillemets, des rediffs, donc avec intro et outro, directement en live, comme ça, moi, après, j'ai pas de travail à faire supplémentaire, j'upload directement les rediffusions. Mais ça veut pas dire que le live s'arrête, même si je dis au revoir. Voilà, merci de confirmer, KBZM. Hop là. Mais il y a quelques contraintes. Ah, quel type de contraintes, monsieur KBZM? Comme les messages qui sont pas trop longs. Faut pas écrire des messages trop longs, sinon ils se transfèrent pas. Effectivement. Parce que les plateformes n'ont pas le même... comment dire, le même nombre de messages... Enfin, de caractères autorisés. Salut Deserti, comment vas-tu? Bref. Comme je vous dis, je reviens d'ici quelques secondes, parce que c'est juste une coupure de rediffusion, on se retrouve après. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette rediffusion vous a plu, que vous avez passé un agréable moment entre compagnie. On se retrouve quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif, n'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstage.fr et passez une agréable fin de journée. Ciao tout le monde, ou du moins tout de suite. Salut !